Jensen, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Un enregistrement de sécurité. Van Bruggen dit qu'il l'a copié sur un serveur quelque part. Ça doit être dans le centre de données, une salle de très haute sécurité. C'est quelques niveaux au-dessus du palier où votre ascenseur s'arrête. Mais les premiers couloirs que vous traverserez sont publics, alors ne sortez pas votre arme. Bien reçu. Vous ne pouvez pas entrer. Le labo est réservé aux porteurs d'une carte d'accès Li Geng. Bien sûr. La voilà. Tout semble en ordre. Désolé d'être aussi pointilleux, mais apparemment ils font des trucs très importants là-dedans. Vous excusez pas. Vous faites du bon travail, soldat. Manœuvre de Tai Yong, Medic. On a reçu pas mal de plaintes concernant la température dans la... Où est-ce que vous allez comme ça? Le centre de données est réservé au personnel autorisé. Vous pouvez pas entrer. Je cherchais la cafétéria, désolé. Accès autorisé.
Pritchard, je transfère à l'instant la preuve de Van Bruggen. Zarif est connecté ? Je suis là, Adam. J'écoute. On m'a informé que votre équipe était en place à Détroit. Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit plus tôt ? Le déploiement tactique ne vous regarde pas. Reed et son équipe portent des implants GPL. On risque de les localiser. Les kidnapper était une erreur. Montréal s'en est occupé. Je n'ai certainement pas la même confiance aveugle en Elisa que vous. Elle est trop imprévisible. Je note vos critiques. Mais je vous conseille de vous concentrer sur vos propres missions, plutôt que sur celles qui me reviennent. Terminé. Patron, vous êtes là ? Oui. Bah oui, j'ai entendu. Megan et les autres, ils sont en vie. Nous devons rester concentrés. Zao a un appartement au sommet de la tour. Elle est la seule, avec ses gardes, à y avoir accès. Foncez là-haut, et découvrez ce qu'elle sait. Accès autorisé. Accès autorisé. Tavish. Celui-ci a nié.
toute malversation, mais n'a pu expliquer comment des millions de dollars avaient été virés sur son compte personnel. Capsule hôtel. Alors il lui lance le regard de la mort. N'écoute pas.